jour un vlog, un cadeau numéro 23, c'est parti! God, on dirait vraiment que j'ai les cheveux très très gris là, avec cette lumière froide du matin, alors qu'en fait non, ils sont cendrés mais ils sont pas aussi gris que ça. Du coup ça y est, on a fini le petit déjeuner, on a remballé toutes nos affaires, fait la vaisselle etc. Et là devant il y a le marché qui s'est installé. Et pour vous dire, hier soir on était garé là et on se demandait si on allait pouvoir rester garé ou pas, parce qu'il y avait plein de voitures qui étaient garées, enfin plein, non mais il y en avait quelques-unes. Et donc on se demandait parce qu'il pleuvait, qu'on se disait bon bah va falloir bouger la voiture, je crois qu'il y a le marché demain. Et en fait plus la soirée passait, moins il y avait de voitures. Du coup Joanne il a dû ressortir à 11h la bouger. Et je pense qu'on a très bien fait, parce que sinon ça aurait été fourrière ce matin. J'ai retrouvé les miens. Ils m'ont sauté dans les bras quand je suis arrivée, ça fait plaisir. Liam, Léna, Tata Lolo, maman. Et là on est en train de rassembler les papiers pour ma demande de passeport. J'ai rendez-vous demain à 15h30 en mairie. Est-ce que vous savez si le passeport il continue d'être valable une fois qu'il est périmé pour voyager dans l'Europe? Parce que je sais pas du tout en combien de temps je vais l'avoir mon passeport. Et je comptais mois de mars-avril voyager, mais même en dehors de l'Europe, mais ça je pense que ce sera pas possible. Je croise les doigts pour que la procédure pour mon passeport elle soit rapide comme ça. Peut-être que je ferai l'aller-retour de Valencia à ici en avion pour venir le récupérer. Bon, je sors tout juste de ma douche pour vous présenter le cadeau du jour. Je pense qu'il va beaucoup plaire à tous ceux qui se donnent pour la nouvelle année comme résolution de reprendre le sport, de manger sainement, d'avoir un mode de vie plus sain. C'est le cas pour moi, je vous l'avais déjà dit dans les vlogs. En ce moment, je fais énormément d'écart avec les fêtes, la fin d'année, etc. Mais je compte reprendre le sport quasi quotidien en janvier. C'est vraiment un objectif que je me suis donné pour 2021. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de remporter une balance connectée Body Plus de la marque WeThings. J'espère que je le prononce bien. Voilà comment elle se présente. Donc moi, j'avais la Body. Et celle-ci, c'est la Body Plus qui permet de nous renseigner sur la masse musculaire, la masse osseuse, le pourcentage d'eau dans le corps et bien sûr sur les kilos. Donc rien de tel qu'une petite démonstration pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je suis habillée. Je vous recommande de vous poser le matin à jeun, c'est là que c'est le mieux. Je pense que je recommencerai demain matin. Là, je viens juste de la recevoir celle-ci et déjà, je suis trop contente. Donc je vous montre tout ce qu'elle indique. Le poids déjà, bien entendu. Ensuite, elle vous indique la masse grasse. Le pourcentage d'eau dans le corps, les muscles et les os. Et ce qui est super chouette aussi, c'est qu'elle est reliée avec une application, ce qui permet d'avoir des graphiques sur les fluctuations de poids. Et donc moi, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc il y a déjà tout mon historique depuis que j'utilise cette marque-là, ça fait déjà plusieurs années. Donc on voit ici par exemple la fluctuation de mon poids en 2020. Ça a bien bougé comme vous pouvez le constater et c'est bien remonté là cette fin d'année. Bon là il y a les mesures habillées et tout, ça compte pas. Je vais les enlever, je pense que je suis un peu plus bas. Mais bref, je trouve que c'est super sympa, c'est visuel. Et surtout ça permet de pas se démoraliser quand par exemple on reprend à fond le sport et que le poids sur la balance ne baisse pas et qu'au contraire il augmente. Ça m'arrive tout le temps et là le fait d'avoir une balance connectée, je vais pouvoir m'apercevoir que c'est le muscle qui monte et la graisse qui descend. Et ça franchement c'est le plus important. Le poids au final on s'en fiche un peu. C'est vraiment la masse musculaire moi que je cherche à augmenter et la masse graisseuse bien sûr que je cherche à perdre quoi. Donc pour participer au concours comme d'habitude vous avez juste à suivre le compte de la marque sur Insta, me suivre moi et me dire que vous participez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos bonnes résolutions. Je sais que c'est très classique de dire je vais me remettre au sport, je vais manger sainement, mais honnêtement ça me fait du bien moi, nouvelle année, nouveaux objectifs et croyez-moi que je vais m'y tenir. Moi c'est tout ou rien dans le sport, je pense que vous avez remarqué, soit j'en fais tous les jours, soit j'en fais pas du tout. Et d'ailleurs, comme d'habitude, les gagnants seront tirés au sort début janvier. Donc j'espère que ça vous motivera pour votre bonne résolution. Le dieu du LC nous a entendu ce midi. On mange des graines, des courgettes et de la salade. Bon, je vous retrouve en direct de la voiture de ma mère. Pour le coup, elle me l'a prêtée. Là, je vais juste à côté faire des photos d'identité. Et je vais acheter aussi à boire pour ce soir. Parce que ce soir, on fait une soirée pyjama entre cousines chez Laura. Avec du coup, bah, Laura, Steph, mes deux sœurs et Vanessa, ma cousine.
Et du coup, on va se faire une petite fondue savoyarde. J'ai trop hâte. C'est vraiment l'angoisse hein, quand on voit ça. On se dit dans quel monde on vit. Veuillez choisir votre photo. Oh my god. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Je déteste ma tête en photo de passeport. En plus, on dirait que j'ai pas la tête droite. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'on paye après. Du coup, là, j'ai pu tout annuler et recommencer. Parce qu'on voit mon oreille plus que l'autre. Donc, je pense que je suis un peu tordue. Faudrait que je me mette plus droite. Mais c'est super bien fait, leur truc. Avant, je me rappelle, fallait régler nous-mêmes la hauteur. Là, la caméra se règle en fonction de nos yeux directement. Bon, c'est pas extra, mais c'est quand même mieux. Au moins, on voit mes deux oreilles. J'ai mis un peu de volume dans mes cheveux. On fera avec. Je viens de montrer ma photo de passeport à l'oreille, Joanne. Elle me dit, pourquoi t'as choisi celle-là? T'aurais dû la refaire. Je l'ai refait 4 fois. Je suis toujours horrible. Je sais pas comment ça se fait, genre. Je sais pas, vous me voyez dans le miroir. On dirait pas que j'ai 1000 ans. Enfin, mes cheveux, ils sont pas blancs. Sans déconner. On dirait qu'ils font exprès les photomatons, genre... ils prennent tous les trucs les plus moches et les mettent en avant. Je suis horrible. Horrible. Pourtant, j'ai donné tout ce que j'avais, j'ai refait plein de fois. Déjà que sur mon ancienne photo de passeport, je suis horrible. Mais là, je crois que c'est pire. Sur mon ancienne photo de passeport, j'étais brune et un peu bouffie. Mais là, je suis juste vieille et moche. Oh, ma princesse dans la plaine. On va aller voir les vaches. Et les chèvres. Et les moutons. Et les poules. Et les canards. Non, pas les canards. Là, regarde les vaches. Combat de regard. La vache. Léna. Léna. Elle est choquée. Léna, elle veut pas partir. Recule pour voir. Bon, je crois qu'on a découvert une passion pour Léna. Peut-être elle va devenir agricultrice. Comment il fait le cheval? Comment il fait le cheval? Hein? Bon, je vous retrouve en direct de chez Lolo. Je suis arrivée, là on attend Vanessa. Je suis avec Stéphanie, ma grande sœur, et Laura que vous connaissez déjà. Donc du coup on prend l'apéro, hein. Les absents ont toujours tort, on voulait l'attendre mais elle nous a dit je vais arriver en retard. Ça se voit de ouf, non? C'est parce que vous me voyez pas souvent. Elles me disent ah vous êtes allée chez le coiffeur, ah Laura c'est beau. Mais Caro t'as fait quoi toi? Mais c'est parce que tu m'as pas vu il y a quelques jours hein. Bah non. En fait je vous ai pas dit je l'ai aussi. Oh putain. Quoi? Bah voilà. Ah elle a oublié cet info quand même hein. Mais pourquoi t'as fait ça? Je me suis touchée de la frange. C'est la règle numéro 1 quand même. T'as les cheveux bouclés, tu ne fais pas de frange. Elle nous a fait une belle table Lolo. On va se manger une fondue savoyarde. Regardez son beau sapin avec tous les cadeaux. D'ailleurs, je vais aller inspecter. Il est où mon cadeau? Laura, il est où mon cadeau? Arrête de chercher. Mais tu l'aimais? Oh, elle a mis la petite lumière sur la terrasse. Trop jolie. Regarde, on a de la fromage au milieu là. Laura, c'est une experte. Franchement, Vinted, moi je veux pas. Et non, mais tout le monde le sait ça sur Vinted, que quand tu mets des articles sur Vinted, c'est qu'ils te vont plus. Donc les gens qui demandent une photo portée, c'est pas possible. Comprenez-le, c'est juste pas possible. Si on le vend, c'est qu'il nous va plus. C'est quoi cette tête? Pourquoi t'as voulu faire un clin d'œil? Bah pour être cool un peu. Venez, on en refait. J'ai des pellicules. On fait des grimaces ou pas? On fait tous un clin d'œil peut-être. Non. Non.
sorti le Dixit, les pyjamas de Noël. Alors le Dixit, une image vaut mille mots. Alice, ouais. Elle s'est fait des merveilles, ah bah oui. Alice. Ah non, bah c'est bien, on a dit qu'on jouait pas la parlotte, ils sont tous là genre... Moi je connais pas trop ce dessin animé. Mais moi non plus, moi hein. Ça n'a peut-être rien à voir, hein. Alice. Allez, expliquez vos votes. Bah alors moi j'explique, je me rappelle d'une scène d'Alice au Pays des Merveilles où elle tombe dans un truc et elle tombe la tête. Exactement. Ah ouais. Bah oui, elle tombe dans une porte et et tout. Alice. Merci Vanessa. Tu vois le petit chat mais aussi, oui, un chat. Ouais, c'est vrai, il y a un chat, parce que j'ai pensé au chat beauté. Mais oui, mais en fait c'est dans un autre dessin animé. Non, il y a un chat aussi qui lui dit c'est l'heure. Ah non, c'est un lapin. C'est un lapin. Oui, non, je crois qu'il n'y a pas de chat dans Alice. Non, mais dans Alice. Non, il y a une chenille bizarre. C'est son masque. Comment ça se met sur le nez? En plus, il est hyper simple ce masque. T'en as une partie pour la bouche et l'autre pour les yeux. Bah, c'est bon, Laura, t'as réussi. Et pourquoi il reste ça là? C'est les trous pour les yeux. Tu vas pas te mettre ça sur les yeux. Moi aussi, je me suis posé la question. C'est débile. On va s'aimer comme la radio sur le pont d'un bateau. Mais tu le connais pas déjà le film? Non, je l'ai vu il y a 10 ans au moins. Elle kiffait son patron. Je vais très probablement m'endormir devant ce film, comme tout le monde ici présent. Du coup, je vais finir le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et on se retrouve demain pour un prochain. Ciao, ciao!